un petit complément par rapport au podcast qui a été fait très récemment là sur l'auto-louange, qui s'appelle l'auto-louange parure de nudité. Il y a plein de rires d'enfants. Mais justement, ça introduit ce que je voulais dire. Nous sommes la louange. Nous sommes déjà la louange. Chaque rire, chaque émotion. Là, je suis devant les nuages. Qui esquisse un tableau ouaté. Ben ça, c'est une louange aussi. Il y a les Jones là qui jouent au foot. Et puis un des arbres chouchous là qui fait toujours sa pavane. Donc c'est pour dire que quand il y a une rencontre qui est écriture ou qui n'est pas écriture, c'est déjà une louange, c'est toujours l'amour qui se louange. Donc en ce sens, il n'y a pas de performance. C'est comme un prétexte finalement qui donne comme une petite couleur vibratoire à la soirée. Mais en même temps, paradoxalement, il n'y a pas de but à aucune rencontre. C'est un striptease du cœur de l'amour. Un striptease mystérieux, parce que finalement, on ne sait pas si cette louange, elle va être en auto-louange, si ça va être la louange de quelqu'un d'autre, entre guillemets, ou d'un événement. Mais c'est un jeu dans le sens où l'amour est à la fois le louanger, le louangeur et la louange. C'est un art. Un art d'aimer. C'est l'art de l'amour. C'est l'art de la bénédiction. C'est un soin, toujours dans le sens de l'exploration, un soin vibratoire que chaque un s'offre à lui-même. Donc voilà, je voulais juste repréciser ça par rapport à un atelier traditionnel d'auto-louange où bon, il y a écriture et après éventuellement, enfin le plus souvent il y a déclamation de ce qui a été écrit. Là, il se profile ça, mais ce qui est quand même primordial, c'est que nous sommes déjà la louange. Et par rapport à l'enregistrement, a priori ça sera enregistré,
mais c'est pas du tout sûr que ça sera diffusé. Et si jamais ça te pose un petit souci sur le fait que ça soit enregistré, je peux, si jamais c'est diffusé, couper au montage ou voilà, tu peux me le préciser au début de la rencontre et on s'ajuste. Voilà, parce que bien sûr c'est important que chacun se sente tranquille avec ça. Eh bien, avanti la camionnetta dell'amore.